Bonjour tout le monde! Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, polissage, mais là ce sera plutôt polissage de métaux. Donc on a trouvé quelques petites bricoles pour le moment. Voilà, ils savent pas ce que c'est, il faut expliquer. Ça, c'est le piston de ma moto, donc je l'ai changé, hein. Voilà, c'est une pièce d'usure. Donc je vais le faire briller, mais je vais vous faire une finition chrome, vous allez voir, ça va vraiment briller. Et je vais vous montrer comment je procède. Il y a deux solutions. Je vous montrerai les deux solutions. On continue toujours dans la moto, donc là c'est le sélecteur un petit peu tordu hein. Pour changer bien sûr les vitesses. Il n'est pas tordu du tout, c'est d'origine. C'est fait comme ça. Ah bah sur ma moto c'est pas fait comme ça. Ben, c'est pas grave. Mais on va le faire briller pour autant. décapsuleur. Un décapsuleur. Voilà. Un vieux décapsuleur marqué Cronenbourg. Cronenbourg. 3 siècles d'amour, de la bière en Alsace. Voilà, enfin bref, on va le rénover, il va Voilà. sortir comme neuf. Et on a une grosse clé à molette, qu'on va faire briller aussi, d'une certaine manière. Et on va trouver d'autres petites choses à faire briller, comme par exemple Nos alliances, nos ouais. alliances, ou une fourchette, je sais pas. Ce qu'on va trouver Ce qu'on va qui est en trouver, pas ce bien qu'il y en bon a sous la état, main. ouais. Voilà, mais juste pour vous donner un aperçu, je vous montre la hache, qu'on a polie, elle brille vraiment bien. Ryan, on fait une vidéo YouTube! Il est bien lui! Voilà, donc on va commencer à polir le sélecteur de vitesse. On va pas se servir de cette machine-là, on va servir de autre chose. On va se servir de cette machine-là, donc c'est un disque souple. On voit bien. Donc le fait qu'il est séparé, comme ça permet de bien épouser les formes. Là, on voit bien que mon sélecteur de vitesse, hein, bon, il est un petit peu griffé, hein, mais vous allez voir, ça va bien rendre. Donc, faut se servir de ceci. C'est de la pâte à polir, on va en mettre dessus et ça va faire briller. Après, si on veut un brillant ultime, on aurait pu frotter le sélecteur avec du papier à penser, hein. Et là, par contre, il faut vraiment mettre des lunettes, hein, parce que ça y envoie des morceaux de pâte et ça peut faire très très mal. Voilà, donc notre sélecteur de vitesse, il est super brillant, il est bien fait, hein. Vous voyez, juste ça, c'est des petits résidus de pâte. Donc il suffit de frotter avec un chiffon, avec un petit peu de ça, par exemple du WD-40, et ça, il fera partir. Il est beau, hein. Maintenant, au tour du vieux décapsuleur. Voilà, donc là, on fait briller le vieux décapsuleur, et comme on le remarque, hein, il est bien attaqué, hein. Ça l'a quand même bien rattrapé, hein. Maintenant, on va faire briller un petit peu la clé à molette. Maintenant, on va faire briller cette partie-là de la clé. Donc avant, après.
Ça brille vraiment bien. Après, oui, je scierais ceux des micro-rayures, mais il aurait fallu attaquer avec des grains plus fins, style grain de 600, après 1200, et ça aurait brillé comme du chrome. Là, on va faire briller un vieux cadenas. Maintenant, on va passer au cadenas. On va faire briller cette partie-là qui est en laiton. Ouais, donc on voit clairement que le cadenas, ça a vraiment bien marché. Hein. Là, c'est avant. C'est après. Là, on va essayer sur des vieux ciseaux. Donc ils sont bien patinés. Hein. En acier. Ouais, donc les ciseaux, ça les a pas mal rénovés. Avant, c'était pas terrible, hein. Maintenant, autour de l'Alliance, à Magali. Et voilà. Elle est comme neuve. Et le meilleur pour la fin, le piston de ma moto. On va se servir de cette meule-là là, pour enlever un petit peu la calamine, le plus gros. Donc on voit bien que ça brille, hein, mais on voit bien qu'il y a des petites traces de stries. Donc je vais me servir de ma machine à polir les pierres. Je pense que je vais attaquer directement au grain de 600. Et après on va le faire briller et on aura une belle finition chrome. Par contre c'est pas du chrome, hein, c'est de l'aluminium. Hein. Maintenant, on passe sur le grain de 1200 et vous allez voir, ça va très vite briller là.
Donc, lorsqu'on voit l'état de mes mains, j'ai pas envie de bousiller ma meule en feutrine. Donc, je vais continuer sur l'autre meule. Ça va briller. Et voilà le résultat. Super brillant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez vu, hein, on a poli autre chose que de l'améthyste. Donc ça change un peu, mais vous voyez, hein, c'est toujours le même principe. Il faut toujours travailler avec du gros grain, et puis avec des grains de plus en plus fins, et ainsi de suite. N'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à bientôt.